Nous sommes le mardi 20 août 2019. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour ce matin. J'ai le plaisir de recevoir le sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, qui a annoncé que le mercato politique se poursuit, puisqu'il a décidé d'obtenir un transfert vers l'opposition politique. Évidemment, et avec beaucoup de points d'interrogation, avec beaucoup de questionnements, on va aborder cette décision du sénateur Lambert, ses motivations. Quels sont ses objectifs réels en choisissant de se transporter dans les rangs de l'opposition politique haïtienne? Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, à l'écoute de cette rubrique. Valérie Numa à l'antenne, comme tous les matins. Bonne écoute à chacun de vous. On n'a pas les points. Parler de mercato politique, j'espère que pas mal dit. Sénateur Lambert, comment nous est-il? En forme, après se rejoindre, donc pour y avoir l'autre. Oui. Est-ce que c'est un bon mercato? Je ne sais pas dire honnêtement, c'est un bon mercato. Mais avant que moi entre dans le sujet, Valérie, permettre que moi évoquer pour très certainement de sortir dit tout à l'heure en termes d'annonce, qui raison qui poussait que moi gagne attitude ça. Bon, pas rentrer là dans notre jeu. Non, moi gagne plan pour interview, ouais. Ah, merci. Moi gagne plan pour interview. Me devait justement faire digression ça à partir de mercato. Bah, on est sur son Messi, sur son, mais Messi Barcelone, hein? Sur son Cristiano, etc. N'a pas regardé ça, et tout à l'heure. Sénateur Lambert, c'est vrai que, il y a des gens qui comptent des noms, cités, pour venir premier ministre. Pour l'histoire, rappelez-nous, qui première fois, un président est sollicité, ou bien une équipe qui est sollicité, pour que tu mettes des noms sur une liste de premier ministrable? À deux occasions. Une fois, sous le président Préval, et c'était période où il y a une transition douce qui était faite entre la première ministre sortante, je vais parler de Mme Duvivier, et puis Jean-Marc Bellerive. Ok. Et deuxièmement, ça t'est abordé tout et effleuré à chaque fois que gagnait en période difficile. Dernière fois sous président Martelly, c'est la période accord ou bien dialogue qui était gagné à Rancho. Ok. Et c'est en la période ça que m'était fait président Martelly comprendre, et à ce moment on était de vrais conseillers, des conseillers qui étaient fait respecter eux et des conseillers aussi qui se respectaient. Et nous t'ai dit président Martelly, du train où ça va, il a pensé que le capable tirer premier ministre là dans canne. OK. S'il tire premier ministre dans canne, Liboual passé très mal dans l'histoire et là qu'on est en fin de mandat tumultueux. Ok. Nous dirions que la meilleure stratégie serait de tirer quelqu'un de très politique, de l'opposition, mais au monde que nous estimons qui joue aujourd'hui de par son savoir-faire, son intelligence, son pragmatisme, capable de permettre que les conduits ou à organiser essentiellement, il y a une bagaille qui fait défaut aujourd'hui pour qu'un pays sous voie stabilité les élections. C'est le sale des points à plume. Et j'ai été de ceux-là qui avaient recommandé au président Martelly, et il est encore vivant, j'avais recommandé au président Martelly Evans Paul Carlin. Ok. Vous pour l'histoire qu'on est ça. Je n'ai pas été le seul, certainement. Mais non, tête à tête avec le président Martelly, M. Youn Namoun, qui t'a suggéré vivement aller vers Evans Paul Kaplum, et ça t'a fait tolé
du côté de certains conseillers qui ont même pas trouvé ça même gens. Oui. Et résultat, je ne vous dis, c'est ça l'hier. Oui. Après, après une rivée, lui calmer le jeu, lui inspirer confiance, psychologiquement lui jouer sous opposition 1, avec présence lui qui mettait en confiance, lui arriver à organiser l'élection quand même, et lui permettre que mon nouvel législature qui est en place, et ceci pour le plus grand bien de la République. Oui, tout à fait. Ça, nous, son tranche d'histoire que tout le monde connaît, et avec Evans Paul, évidemment, avec un peu de difficulté pour question élection gagne soulier, et puis bon, monsieur, c'est ça, monsieur, il vient nager, ouais, comme ça, woman, et puis, nous sortis, il vient nager de côté ni là. Est-ce que nous sortis tête, nous, de l'eau, mais en tout cas, et nous pas tout fait, réellement. Maintenant, nous entre Dernière fois que nous m'avons cité dans une question de premier ministre, c'est avec le président Jovenel. Dans un premier temps, après que le premier ministre Michel Lapin Tévine ait haï pour un mandat de 30 jours, eh bien, il aurait fallu que le président ait nommé un premier ministre qui t'a pas gagné pour passer le cap de sa ratification au Parlement. Et à ce moment, eh bien, un ensemble de collègues, un ensemble de monde qui dans l'environnement de Jovenel, et proposé nom. Et moi-même, personnellement, j'étais un peu hésitant. Et m'a pas jamais dit, président Jovenel, en rien, moi-même, personnellement. M'a pas jamais dit que m'intéressait, m'a pas jamais dit ça avec bouchement. Et comme de fait, le président Jovenel, eh bien, il en a profité et il dit que il choisit Michel Lapin. Et il était dit moins, et que m'a de jambes une seule fois dit ça. Que t'es intéressé alors? Que m'étais intéressé. Ok. Deuxième fois, eh bien, moi, dit président Jovenel ça en façon pour le capable pas de prendre prétexte, premier prétexte. Pour qui ça? Parce que m'étais voulu purement et simplement servir la République, parce que du train où ça, cela allait, m'étais senti que bon problème qui va le poser. Et problème non, il va arriver sur nous, un ensemble de chiens qui va arriver sur nous. Et moi, je dis, la République n'est pas capable de continuer à offrir des privilèges. Parce que je considère que, comme sénateur, aussi bien qu'en pilote monde, nous sommes privilégiés. Moi, je dis, il faut que la République soit capable bientôt de sacrifier et des mondes qui offrent tête surtout. Et c'est pour cette raison que j'avais choisi de sacrifier mon mandat de 3 ans et 8 mois pour me proposer au président de la République, en présence de quelques 7 sénateurs, à titre de témoin, et je peux citer les noms, si vous voulez, pour l'histoire, parce que bah, ça va faire que vous faites clair. Quittez-la, l'on t'a proposé de toi. Qui était là, l'homme t'a proposé, hein? Proposé tête moyenne, c'est gagné un bénéficiaire. Peut-être qu'elle est seulement citée là? Non, c'était des sénateurs du groupe G7. Ah, d'accord, ok, ok. Et t'es gagné Ralph Fétière. Bon, oublié. Ok. Nous de l'autre, encore t'es là. Et c'est à ce moment précis que moi-même, personnellement, j'ai fait proposition ça par le président. Une proposition qui a été chaudement accueilli, et la suite, nous connaissons. Alors, comme question était directe, combien de fois que nous avons été cités ou bien venus en relief comme premier ministre, eh bien, je vais raconter aux périodes. Ok. Qu'on y a, dernière période, là, c'est ça là, et qu'on y a là. Et dans quel contexte, président, t'es Anticras mettez non on y a sous liste monde qui pour une premier ministre m'a parlé dans période côté que n'a pas eu de Lapin n'a pas eu de et l'autre nom que vous avez cité m'a cité tout à l'heure jusqu'à ce que c'est Fritz William Michel que vous prend. Bon, m'a connait véritablement pourquoi, parce que le président en principe est le chef du pouvoir exécutif et la constitution plein droit
pour lui choisir premier ministre en consultation avec les présidents des deux chambres. Mmh. Et comme de fait, les présidents des deux chambres ont été consultés et c'est l'un des présidents des deux chambres, appuyé de l'autre, qui avait porté mon nom sur la liste. Mmh. Ce que moi dois dire pour l'histoire, c'est que lorsque question ça a été évoquée, la CAI président, moi-même en présence de sénateur, question premier ministre, non? Eh bien, président te font tour de table pour te garder réaction yo. Et réaction yo te positive. Ok. Favorable à où? À moi-même. Mm-hmm. Réaction était tellement positive, ou a gagné des nègres qui te même a fait blague. Il te dit, bon, moi-même pas voto, je ne suis pas venu parler avec moi. On se l'est, il dit Bélizer. Ok. On ne peut pas venir parler avec moi, etc. Et puis, l'arrivé dans la salle en bas, gardez pour conformer, parce que vous allez vous adresser à des honorables sénateurs. Mm-hmm. Pas qu'à venir parler fort encore. Ça veut dire que c'était presque, on a lu bon enfant, bah, ils ont décontracté et autres, etc. C'était un ensemble de plans qui t'a fait. Est-ce qu'on gagne des charges et de gestion comme président Sénat? Moi, je dis oui, j'ai un rapport favorable de la Cour des comptes qui n'a pas révélé aucun élément d'acte de suspicion, de fraude ou bien de détournement de fonds publics. J'ai un rapport favorable. J'ai mon l'avis favorable de la Cour des comptes. Ça veut dire que ça veut dire que techniquement, ou t'es paré, les conditions t'es réunies pour vous, et ça vous l'avez dit. Toutes conditions t'es réunies. Mm-hmm. Au point où, t'es même dit, monsieur, ah, lorsque le président m'a fait la question, Joe, dans combien de temps on a passé le gouvernement en bas? Et j'ai dit au président. Le président dit, ah, on dit, ah, président, c'est relatif. Et puis tout, le président dit non. Est-ce que dans 24 à 48 heures, on a passé le gouvernement en bas? Et j'avais dit au président, 24 à 48 heures, l'impossible. Mais c'est à partir de date où le rapport est fait. Mm-hmm. Rapport commission, parce qu'on procédure. Oui, oui, bien sûr. Procédure. Bien sûr. M. c'est de ça, président, parler tout. C'est dans ce sens-là, la parler tout. C'est-à-dire après que tout bas est fin fait. Exactement. Mm-hmm. Et puis, moi, je dis, au Sénat de la République, je vous garantis, président, on va le passer deux heures de temps. OK. Et ben, pas, on va le passer plus de temps dans le Sénat. Moi, j'ai une technique pour me passer deux heures de temps. Je suppose que le président parle de ça. Et, les gars dans la tête, monsieur opposition, la sûrement, la pensée à Don Gato. La pensée et la pensée à Beaublanc, la pensée à Yuri, la pensée à Nenel, de l'Abdouza. Le président, te font évoquer question ça avec moi. J'ai eu à dire au président, vous savez, comme nous autres, l'opposition, tout, ils sont-ils fatigués? L'homme parle ensemble avec tout collègue, ils ont besoin tout pour que comme t'es qu'à dire, calme, sérénité, stabilité et un gouvernement était aussi important. Mais les collègues étaient clairs aussi. Ils t'ont dit clairement, ils ont pas entré dans aucun gouvernement de cohabitation ensemble avec le président Jovenel, tout autant que ils ont pas entré dans un gouvernement de cohabitation avec le gouvernement Jovenel. Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Petit bagaille que vous capable de faire, puis gros cadeau que vous capable de faire, c'est accepter que vous arrivez quand même à un dialogue pour gagner un accord avec un ensemble d'éléments que vous mettez sous table là pour discuter. Et suite à dialogue là et à échange, là, ça a gagné un vrai gouvernement de consensus. Mm-hmm. Et ce gouvernement de consensus aura pour tâche ou bien pour responsabilité d'implémenter les conclusions et recommandations qui sortiront de dialogue. Ouais, ouais. Mais en fait, l'idée ça c'est pour quand même mettre bon chance ou même. L'idée sont de faire play politique par rapport à où. Exactement. En fait, les collègues sénateurs de l'opposition, de par passer ensemble avec moi, de par le simple fait que ce sont des collègues sénateurs, eh bien t'es gagné un sentiment favorable pour que si c'est Lambert, ben nous ne doit nous même pas marcher dans bataille, nous ne pas marcher
pour nous imposer Lambert passé. N'a pas capable quitter Lambert passé, mais faut que Lambert tout connaît que n'est pas là pour longtemps et que faut que dialogue là il fait et faut que élection il fait, etc. Ça a été une preuve de bonne foi du côté de l'opposition et moi profiter pour me dire ceux-là qui 24 sur 24 a critiqué l'opposition pour dire que l'opposition est de mauvaise foi, eh bien je leur dis que l'opposition est de bonne foi, mais il faut un interlocuteur valable. De toute façon, je dis, c'est certain que, même si avant, ou t'es gagné à Well, dans le même sens avec mon qui dit que de mauvaise foi, je dis, son nouveau converti, nous allons comprendre que justement, a gagné un pile fleuve pour vous. D'accord. Bon, avancez plutôt. Non, mais je dois vous répondre aussi. Et, c'est pas en question de fleurs que m'a voué pour vous. C'est la réalité. Parce que, en fait, le momentum t'est favorisé un gouvernement sans parler en pile et la reprise du dialogue pour parvenir à un accord qui capable de sauver à la fin. PaulLaPalais.com Non, il est pas très puissant, c'est que même pas parler ensemble avec lui. Oui, il est toujours ensemble avec ça. Qu'est-ce que ça? Non, on connaît qui est Ricard Pierre. Ah, Ricard, d'accord. Ah, oui, ok, d'accord, ok. On ne peut pas parler avec Ricard Pierre. Ouais. Mais par contre, on peut parler avec tous les collègues. Nous pouvons commenter l'âge de guerre là? En fait, sans question pour me retourner sur lui, peut-être qu'il ça parce que très certainement, il y a des bagailles qui, dans la vie politique, lorsque on démarche avec un souci, une volonté pour que on bail possibilité à pays l'opportunité pour gagner un gouvernement et retrouver le chemin de la stabilité, eh bien, il faut dire que des fois, on fait des gestes ou bien un bon comportement qui allait au-delà de ça que on connaît comme Lambert dans caractère ou bien dans comportement. Retourner sur l'issue, mais bon, retourner sur choix pour le ministre. Dans dernier temps, côté que non, Joseph Lambert est venu cité, c'est sûr que ou gon série de moun qui t'es sous liste là ou t'es plus au courant que tout l'autre monde parce que quelque part c'est vrai que Jean-Henri s'est tombé la pinkembe pour lui comme AI mais maintenant ou même qui est l'autre monde ou t'es sous liste là beaucoup de noms et bien faut me dire qui l'autre nom monde qui t'a cité l'autre nom monde qui t'a cité et que qui m'ont été rapporté aussi par les deux présidents et collègues sénateurs et députés du Parlement, eh bien, on t'a gagné des mondes, d'un coup, Hubert Antoine. On t'a gagné Jean-Robert Estimé. On t'a gagné Maryse Pénètre. On t'a gagné Madeleine Fils-Aimé qui était là et qui est écarté. Alors, ce sont des noms qui étaient sous table. Et non, ça, autour, je t'ai gagné la vraie liste. C'était Lisa. OK. La vraie liste, c'était Lisa. OK. Mais on va attendre aussi Fritz William Michel. Fritz William Michel, Livin sous Lisa, très certainement, dans la nuit net. Fritz William Michel, son nom qui vini presque à la dernière minute, dans toute dernière consultation que le président fait dans la soirée dimanche, si je ne me pas trompé, moi, et autour de 11h du soir. Et c'est l'heure ça, non, Fritz William Michel vini sous table là. Et collègue sénateur avec député président, dis-moi, et que c'est
La réponse du président par rapport à moi-même plus particulièrement, c'est la société civile ne veut pas de moi. Qu'est-ce qu'il dit ça? Et ça, c'est ce qui m'a été rapporté par le président Cantal. Et c'est ça que le président Jovenel dit. Société civile n'a pas voulu ou? Et société civile n'a pas voulu, mais qui fait le pas prendre. Et qui est cette société civile? Et c'est la grande question. Et quand le président est passé me voir dans l'après-midi, sans pas bon temps pour me commencer, pour me être absorbé et attitude l'inélégance vis-à-vis de moi, et totalement m'a parlé de qui ça qui est l'inélégance là, il paraît encore, et puis il dit, moi, c'est société civile. Et là, ça, je lui ai fait la question, de quelle société civile vous parlez, président? De quelle société civile? Moi, je dis, si la société civile là, pas vrai, moi, ah, là, président, vous avez un gros problème, peut-être qu'il ça, parce que, gagnant majorité peuple haïtien en tout, à travers ça me donne dans la radio, manifestation, position publique, qui parle au tout. Mm-hmm. Qui parle au tout. Et je lui ai dit ça. Bon, je refuse de parler. À travers ça me donne dans la radio, manifestation, position publique, qui parle au tout. Mm-hmm. Qui parle au tout. Et je lui ai dit ça. Bon, des échanges que j'ai eus avec le président durant son mandat. Ou connaît que le président écarté choix Joseph Lambert Lanet? Je ne me connais ni le lendemain, l'homme réveillé. Parce que dans la soirée, et après échange que nous définis avec le président, je me dis, président, ah, président, si vous arrêtez ou apprend, pas prendre ni sans que ou pas aviser, parce que j'ai besoin en 12 à 24 heures avant rendre public. Mm-hmm. Et ma stratégie était claire. Je ne voulais pas pour le président à le rendre nom public non arrêté sans que je ne prenne le temps pour me dire un ensemble de monde qui représentait un ensemble de secteurs dans le pays. Et ceci pour consolider les bases. Pour consolider les bases. Exactement. Mm-hmm. Alors, si je devais aller voir, revoir certains collègues, certains groupes et autres, etc., c'est pas qu'à l'homme fin nommé et puis le SAP m'a dit d'accord. Président... C'est comme le président Jovenel. Mm-hmm. Le président Jovenel, seul erreur que le fait sous personne, moi, et qui agit sous personnalité, dignité et honneur en tant que net politique et paysan sud-est, la montagne, c'est parce que le président pas fait distinguo entre net politique ou bien politicien tel que je connais yo, et puis on moun qui est Joseph Lambert et qui c'est petit ton paysan qui c'est petit ton nèg on femme nan mort, on marchan de maïmoula avec un cultivateur on marin pêcheur. Pourquoi qui ça? Parce que dignité, honneur et personnalité le comptait en pile pour lui. Le président s'il était seulement le dimanche prend la peine pour te reler ou bien voler un message texte. Et puis, on moun qui est Joseph Lambert et qui c'est petit ton paysan, qui c'est petit ton nègre, on femme nan mort, on marchan de maïmoula avec un cultivateur, on marin pêcheur. Pourquoi qui ça? Parce que dignité, honneur et personnalité le comptait en pile pour lui. Le président, s'il était seulement le dimanche, prend la peine pour te reler ou bien voler un message texte pour moi, pour te dire moi, et que Joe, mon cher, sacrifié, bon, c'est comme ça qu'il m'appelle. Mon texte bon moi. Pour te dire moi. Et que Joe, mon cher, sacrifié, bon, c'est comme ça qu'il m'appelle. Donc, qui est William, qui est un ami, qui est quelqu'un que je connais. Mais c'est pas en question de 11 ans, mi, on, écoute, etc. Et puis, il venait lui dire, et que, pour moi, voter gouvernement pour lui. Ok. Mal c'est comme ça. Quoi, président, n'importe qui l'est, il n'y a pas dit mon cher, mon valise. Oui, sauf que, sénateur Lambert, en général, je ne sais pas comment ça a toujours fait, même si on l'a prêté au ministre, il n'y a pas averti lui, et c'est gardé, il a arrêté que sorti, et puis bon, il a rendu compte. Il y a un qui l'autre bord, ok? Il y a la mission pour le gouvernement, et puis, il y a un de remplacer pour l'autre bord.
Vous comprenez? Non, c'est moi-même. Fait. Ma, c'est avec un peu d'élégance. Moi-même, ma personnalité, ça. Mm-hmm. Ma personnalité, ça. Je pas ministre, président Jovenel. Oui, mais mon paquet, sénateur, mon paquet. Le président Jovenel doit pouvoir respecter. Pas de problème, mais. Ouais, fait. Son pratique lié. Non, l'obligé fait pour moi. Oui, mais, attends, mais parce son, que moi-même, je le respecte. Oui, mais pas de problème, mais son pratique lié. Dans le sens que. Quel que soit l'œil ou pas choisi pour premier ministre, le conseil du monde, non, il toujours monté. Non, il monté, il descend. Non, il monté. Sous Préval, par contre, combien de fois, non, on est d'accord, il pire monté. Non, il pire monté, il descend, il monté, il descend. Ainsi de suite, ok? Mais, moun yo qui accepte que non, PD monté à tout quelque part, il est responsable. Parce que, un bon matin, si y a PD utilisé non, faut on leur, il est, bah, on est qui de doit pour dire, vraiment sincère. Alors, ça, c'est, je suis pas intéressé, hein. Vraiment, je ne pas souhaiter que non m'a pas démonté sous bas son corps parce que je trouvais que vraiment son plaisanterie de mauvais goût. Bref, mais maintenant, ben moi tourner sous raison peut-être qui motivé président Jovenel Moïse pour que lui pas choisi sénateur Joseph Lambert. Il dit officiellement c'est société civile là qui parle. Mais ce qu'on connaît dans les coulisses que président Jovenel gon peur bleu de Joseph Lambert. Il pas fait Joseph Lambert confiance sous prétexte que son nègre, j'ai tellement calé. T'as l'Elvin là, et puis c'est, au moins, il y a culé là, et puis soit attendez à ces lambecs qui chitent dans le palais national. Ça, c'est peut-être pour lui, bagaille qui fait, et selon les dire, qui fait que président Jovenel Moïse, tient un peu lambert. Deuxièmement, il y a 20 sénateurs lambert comme on traite, et au niveau de palais national. Traite dans qui sens? Dans le sens que président Jovenel Moïse, l'œil fin nommé Jean Risséan, gon grand ministre que Jean Risséan t'a décidé de mettre, ok, en la personne de Maître Gerdy Lissad comme ministre de la communication et de la culture. Il est obligé de retirer Gerdy Lissad parce que sénateur Lambert exigeait que yo baille monsieur Lapin poste là dans le ministère de la culture et de la communication. Dans le sens que président Jovenel Moïse, l'œil fin nommé Jean Risséan, gon grand ministre que Jean Risséan t'a décidé de mettre, ok, en la personne de Maître Gerdy Lissad comme ministre de la communication et de la culture. Il est obligé de retirer Gerdy Lissad parce que sénateur Lambert exigeait que yo baille monsieur Lapin poste là dans le ministère de la culture et de la communication. Que yo baye monsieur Lapin poste là dans le ministère culture et communication. Oh. qui a fait une carrière et que m'estimer qui connaît ministère là Jean le ministère capable servir la République. Et ben dans ce sens ça non considéré comme traite là. Dans le sens que c'est ou même qui propose Lapin. Et que et même Lapin tout dans l'entourage Lapin j'ai l'impression ça dit tout. Je dis mais c'est ça qui explique que c'est Lambert qui impose Lapin et puis je dis à c'est Lambert qui veut remplacer Lapin. Vous entendez ça tout. Bon. Mon cher, m'a profité pour ça comme on dit que quelque bail qui pas ta doit dit. Mais quelque bail qui pour dit tout, m'a profité pour me dire. Lapin et puis je dis à c'est Lambert qui veut remplacer Lapin. Vous entendez ça tout. Bon. Mon cher, m'a profité pour ça comme on dit que quelque bail qui pas ta doit dit. Mais quelque bail qui pour dit tout, m'a profité pour me dire. Et si m'bail menti, il y a des monde qui va dire le contraire et Lapin lui-même va dire le contraire. Est-ce que tu sais que un qui pas nécessaire. Il dit ça était sur la liste. Et j'ai exigé que yo retire Gerdy Lissad pour remplacer par Michel Lapin. Donc ça me dit tout ça me dit c'est vrai hein. Tout ça dit c'est vrai, ou pas même son monde transparent. Et lorsque son premier ministre a eu sur la liste, il y avait Bokchi, il y avait le ministre des Sens et autres etc. Et tant que le président va choisir, Gracia Delva était aux côtés du président. Et Gracia Delva a informé moi de sa capacité. J'ai appelé le président et dit au président que le meilleur premier ministre que le PK a choisi dans le moment, c'est à Lapin.
Et comme de fait, le président a retenu Michel Lapin comme premier ministre à I. Et c'est moi, personnellement, qui ai appelé Michel Lapin aux alentours de 2h du matin pour m'informer. Suivi de Gracia Delva. Ça, c'est pour l'histoire, c'est pour la vérité. Même pas qu'on nous fait trop effort, non? Pas qu'on nous fait trop effort. Et dans mon moment, ça. N'a qu'à Pierre Michel Lapin, nous pas fait trop effort. Parce que le président, ou mettre fait confiance, c'est Michel Lapin. Ou mettre même. Non, peu importe. Mais cependant, m'a raconté l'histoire. Et deuxièmement, lorsque Kounyala, Michel Lapin finit à I, et puis Kounyala, Michel Lapin me dit, ah, mon cher chef là, au compte ça passé. Pour parler avec le président, et puis pour faire en sorte que le président t'a désigné comme premier ministre. En parlant de où? En parlant de moi-même. Ah, d'accord. Alors, et pour dire que, l'IPACA en aucune manière entre crise, parce que, moi-même, avec Michel Lapin et certains collègues et amis, eh bien, t'es parti du principe que, dans le moment, eh bien, Lambert, ou t'es capable au meilleur premier ministre. Michel Lapin, pas déjà moins tête lui-même comme premier ministre nommé. Il était où elle l'entendit? Au moins, ou par moment, lorsque nous passons la caille là, on a fait deux blagues, il dit, ah, monsieur, mais trop chalet dans l'arrière, retire dans bas, nous, qui l'a bien prendre bas, voilà, pour faire vite, pour nous finir avec bagaille ça, pour venir prendre bas, voilà. Et bien, petit coup politique, parce que c'est ça tout. Alors, sans façon pour dire que, on n'est pas capable en aucune manière, on traite, dans l'esprit de certains mondes. Et on dit tout bagaille ça, yo, sans façon pour moun yo pas dupe, et puis pour capable de connaître la réalité. Mm-hmm. Parce que Michel Lapin est encore vivant, moun te m'cite yo encore vivant, et échange qui fait yo fait devant témoin. Oui, peut-être les moments qui insistent sur lui, c'est que entre le Michel Lapin te dit ça, et le qu'on y a, monsieur, dans le poste, ça va être de la différence. Le Michel Lapin, oui, dans le poste, là qu'on y a, et l'y doit l'hérité. L'y doit l'hérité. Bon. C'est très possible. De toute façon, quand le président a désigné ou bien nommé le cité encore vivant, et échange qui fait que vous faites devant témoin. Oui, peut-être les moments qui insistent sur lui, c'est que entre le Michel Lapin et tout ça, et le qu'on y a, monsieur, dans le poste, ça va être de la différence. Le Michel Lapin, oui, dans le poste, là qu'on y a, et l'y doit l'hérité. Bon. L'est très possible. De toute façon, quand le président a bien nommé Michel Lapin comme premier ministre, je crois que personne, monde, y compris moi-même, qui était jamais une seule fois dit président, mais qui est pour le choisir comme premier ministre. Je crois que personne, monde, y compris moi-même, qui était jamais une seule fois dit président, mais qui est pour le choisir comme premier ministre. C'est qui ça? Deux moments historiques. Un moment historique. Songez, Michel Martelly. René Préval. René Préval, on dit l'immortel René Préval, parce que son monde que m'a respecté et moi-même m'a toujours parlé de René Préval et assuré défense René Préval pendant le mourant. Et m'a pas accepté que le monde parle de René Préval n'importe qui, parce que j'ai vécu avec René Préval, nous connaissons une dimension. Et René personnage. Préval. Personnage-là. La réalité, c'est que... Songez, parquet. Le président font blague. Il dit, oh, bon, avec un président en exercice, tu réunis tout conseiller, l'offre nous dit, va te déplacer. Pour aller supporter un ancien président que aurait les parquets. Mais le président, c'est un devoir pour moi-même, parce que Préval reste et demeure une icône pour moi, lui est un modèle pour moi, et moi, supposé bon côté président Préval à tout instant, pourvu que l'on danger. Ça, c'est un premier bagage. Et c'est en présence du président Martelly que me dit. Le président Martelly dit, ah Dieu, on connaît ça, on connaît, au pas la qui est. Et puis ils font blague. Ils disent, moi aussi, je ne sais pas qu'on remet tiré, n'est pas assez. Oui, même pendant ici, là, etc. Et puis il dit, regardez, ça y est pour m'entendre. Ça y est pour moi. Il dit, le 2 mai m'a passé, ouais.
c'est Martelly. Mm-hmm. Mais lorsque je n'étais pas encore avec Martelly et que j'étais dans l'unité, j'étais dans l'opposition. Éléphant dans un magasin de faïence, du mm-hmm. pipi de chat, ouais. des hôtes, etc. Mais quand j'étais aux côtés du président Martelly, certains de ses conseillers, toujours du président Martelly, veillez Lambert, veillez ceci, veillez cela, il faut screener les déclarations qu'il fait, etc. Lui-même avec lui, il faut veiller, oh, patati patata, etc. À un certain moment, on était même au palais. Nous vivions dans le palais. Côté bureau, nous étions là, nous gardions nous, ouais, toutes les chaises sorties, et puis son pauvre frère que vous mettez. Il a été les chaises côté Bounchita. Il a été comme conseiller président et Martelly. Le président Martelly est vexé, il fait aménager le bureau pour nous, patati patata, et puis chaque matin, depuis le passé, il passait où est nous. Ah, il n'a pas l'air qu'à frapper. Intrigue. Depuis président, ça que vous-même, vous avez le courage pour dire, ouais. eh bien, il y a toujours bon problème par rapport à vous-même, parce que vous-même, dit président bagaille tout le temps dit. Mm-hmm. Moi, je dis président, et le plus souvent, je dis président bagaille que le patarin m'entendait, mais que moi, okay. qui reflétais. Mais est-ce que tu connais, sénateur Lambert, que René Préval, bon, monsieur, la vérité à la, René Préval dit Michel Martelly. Et lui dit l'autre monde ça tout, hein. Gen deux politiciens pas jamais quitté en face ou Yuri La Tortue, Joseph Lambert. Est-ce que tu es au courant de ça? Non, pas au courant. OK. En tout cas, René Préval t'a dit ça. Maintenant, est-ce que quelque part c'est pas par rapport justement à fait réflexe Lambert, capacité Lambert pour le jongler avec politique là qui a fait que Jovenel Moïse ont ti gens venir estimer que personnalité Lambert qui était en face ou Yuri La Tortue, Joseph Lambert. Est-ce que tu es au courant de ça? Non, pas au courant. OK. En tout cas, René Préval t'a dit ça. Maintenant, est-ce que quelque part c'est pas par rapport justement à fait réflexe Lambert, capacité Lambert pour le jongler avec politique là qui a fait que Jovenel Moïse ont ti gens venir estimer que personnalité Lambert a peut-être trop fort, donc il a ombré le au risque li remplacer là qui a fait que Jovenel Moïse ont ti gens venir estimer que personnalité Lambert a peut-être trop fort, donc il a ombré le au risque li remplacer là. paul@palais.com À l'accompagner le 7 février lorsque le dégain pour la route échappe là, by Justin Bieber. Cela voudrait dire que je suis quelqu'un de loyal et c'est dans ma nature que loyauté en y est. Mais je reste et demeure. Cela voudrait dire que je suis quelqu'un de loyal et c'est dans ma nature que loyauté en y est. Mais je reste et demeure et plus être le premier ministre de Jovenel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en moi. Voilà. Le fait de n'avoir pas confiance en quelqu'un qui pourrait devenir votre premier ministre, eh bien, Mabdiou, c'est déjà une scission qu'on crée et c'est un gouvernement, c'est comme des cadeaux, c'est une mauvaise gestion du pouvoir pour moi. Tout à fait. Mais maintenant, le président Jovenel Moïse finit choisi et Fritz William Michel. Et il fait démarche pour le rencontrer avec vous. Ça va faire partager avec le public là, parce que tout le monde connaît que le président Jovenel Moïse à la caillou l'a rencontré avant vous. Et bah, le public a son cabali, non, ça. Bon, moi, je m'en deux, trois bagailles. Je vais le garder avant. Pour le dire, est-ce que je suis d'accord avec le chapitre que m'écrit sous l'IO
pour ça pas déranger. Parce que sans écrit, il était dans l'histoire. Et l'histoire. Oui, mais l'on a pas forcément avec vous faire mon plaisir. Que oui, mais soit dit ça qui est vrai. Il y a des vérités. Bon, vérité qui doit déranger, mais c'est pas une raison pour pas dire vérité. Non! Dire vérité, il faut que je dise aux gens. Et si mon échange ensemble avec le président Jovenel, des échanges que je ou bien des bagages que je dis ensemble avec lui, jamais, au grand jamais, je ne vais pas vous dire. Ok, mais ça qui est certain, c'est que. Ça qui concerne. Échange que me dégage le président. D'accord. Moi, en droit, pour me dire au moins 10% de ça que me échangé avec le président. Et ça, c'est moi-même qui dis le président. Oui, bagaille, le président est venu me voir quelques 12 heures après avoir désigné son nouveau premier ministre. Mais il faut nous dire tout, c'est pas au premier appel au juste du président. M'attends-nous. Non. Oui. Président, c'est vraiment pile. Et m'a même dit président que je ne suis pas disposé. Et me dit président que le pas nécessaire. Et là, il dit pour me rencontrer le palais, il me dit président, autant qu'au président, et jusqu'à présent, maintenu, moi moins, sauf un bagage officiel ou une position officielle qui peut permettre que je m'aille dans le palais national, même dit président que moi-même personnellement, je choisis. Pour que je ne pas jamais aller à la caille Jovenel encore, résidence privée ou bien officielle, ou résidence privée, et pour ne pas jamais aller dans le palais national encore, pour aller dans l'échange quelconque avec le président. Parce que le président n'a pas confiance en moi, moi aussi, je dois ne plus avoir confiance en un président que j'avais choisi d'aider ou de servir avec cœur, avec âme et en toute loyauté. Je ne le dis pas, mais pas pour le président Jovenel en lui-même, mais pour la République, mais à travers un président légitime, qui est un élu national, un élu comme moi. Je dis, le président Vinouem, je m'a accueilli président. Il me dit, président, ah, nous allons parler à deux, parce qu'il y a des bagages comme tout. Il me dit, président, vous avez été inélégant. Je le lui ai dit. Et ça, c'est un minimum que je suis capable au moins de parler dans la radio. Je dis oui, inélégant parce que le président, c'est pas qu'à choisir. Et comme moi-même, personnellement, en présence de 7 sénateurs, ou pas choisi pour élever une dans le sénateur, ça, pour aviser, ou pas choisi pour élever, pour informer, et ou pas même choisi pour même bon mon message texte. J'aurais bien pu tweeter après l'appel du président pour dire que le président m'a consulté, les conditions optimales ne sont pas garanties. J'ai donc permis au président de porter son choix sur etc. On t'a ballon porte de sortie ou même? On t'a ballon porte de sortie moi-même, et moi-même tout, on t'a sorti belle. Parce que là, moi-même, je suis sorti l'aide, et comme quoi, je suis demandé, je suis capable de job, et puis le président m'a craché dessus à deux reprises sans me prévenir. Et c'est ce qui m'indigne. Il m'a craché dessus à deux reprises sans me prévenir. Et alors là, j'ai dit au président, quand il était avec moi, je lui ai dit ses propos aussi. Tu m'as craché dessus à deux reprises sans me prévenir. Je ne peux plus continuer à pisser contre le vent pour répéter et le sénateur Gélin. Et c'est ça, me dit. Puis ça peut continuer à pisser. Puis ça tourne sur eux. Puis ça peut tourner sur eux. Tout pantalon, papa. Tout le pantalon, l'offre n'y a fait postate, ou pas qu'il y a des pipis, etc. Exact. Alors, le président va dire aussi, comment on peut faire pour corriger ça? Même te dit, président, bah, ça n'a pas qu'à corriger. Il m'a fait des remarques à propos du gouvernement, etc. Patati patata. Je ne veux pas élaborer. Et ma présence au gouvernement, etc. Et je dis au président très clairement que, véritablement, il y a des bagailles qui n'ont pas qu'à corriger. Parce que honneur, dignité, personnalité, surtout en paysan, bien dit lui, surtout on est dans les yeux, ce n'est pas des bagailles pour faire. Même là, après ton qui est bois romain, et puis il nous prête l'on qui est bois. Et puis on prend qui est bois au bas, il est avec désinvolture, avec dédain. Bon, garantie que paysan ça n'est pas pour qu'il y ait bois dans moi. Encore bien, même s'il a les lacs, il y a avec qui il y ait bois, il pas bois, c'est maïmoulin. Alors, dis président ça. Dis président que
et comme pas dans où encore, comme pas battre encore fort pour vous. Mm-hmm. C'est ça un problème moi. Mais faut dire public là que le président en tentative pour le DC convaincre. Pour ça moi m'a bonne information que me gagne, OK. Wa confirmer ou bien infirmer. Président dit où que de toute façon, libre garanti et Fritz William Michel, même s'il passait, il pas dernier premier ministre ni dans mandat. Donc j'ai dit pour le montrer que porte la ouvri, il y a toujours possibilité pour premier ministre. Est-ce que vous d'accord président de dire ça au moins? Bon, oui, il te dit ça. Et il te dit ça. Et faut que me gagne le courage pour me dire président, je ne pourrai plus être votre premier ministre parce que tu n'as pas confiance en moi. Mm-hmm. Je dois servir un président comme premier ministre, mais un président qui a confiance en moi. Ou pas bien confiance dans moi, quel que soit ça me fait, m'a pas de problème. Et surtout que milieu ça, son milieu, au milieu, comme tu as dit, ou comment il dit ça, au milieu qui fait pied bois pousser, facile. Mm-hmm. Fertile. Son milieu côté net, qui a fait tripotage, j'en ouvre, et puis au président mettez devant. Mm-hmm. Et le co-président devant, le président commence à avoir un problème, oui. Etc. Maintenant, ce qui note rencontre l'infini. J'avais dit au président, j'avais remarqué dans le visage du président une certaine déception. Mm-hmm. Et comme président de la CAIMOIN, et comme c'est quelqu'un que moi-même, tout, malgré tout problème, yo, on était toujours bien sympathie pour lui, on était toujours bon faible pour lui. Mm-hmm. Faible là pas disparaître du matin au soir, n'en parler avec lui, malgré ça le fait. Et puis moi dit au président, bon président, laissez-moi le temps au moins de digérer tout ça. Mm-hmm. Et puis permettre que me fin drainer, l'homme drainer, me capable de retourner à de bien meilleurs sentiments. OK. Ça c'est élégance hein qui fait ça. Élégance. Okay. Oui, même à Carlson, un président reste un président. Mm-hmm. Il faut toujours avoir du respect pour ses amis. Mais maintenant, est-ce qu'on tout dit que par contre, est-ce où pour le gouvernement Fritz William Michel là, comme quoi pour non seulement prendre engagement pour lui, mais deuxièmement voter? Non, j'avais très clairement dit au président dans un premier temps. Le président est le premier qui m'a parlé de Fritz William Michel pendant visite. Et me dit, président, de façon claire et nette, que je ne peux supporter William Michel. Et c'est pas William Michel en soi que je ne peux pas supporter, parce que je connais William Michel, il était qu'à faire des marches beaucoup plus loin, puis bien même que vous. Et moi, je dis clairement que je ne peux pas supporter. Et quand William Michel est passé aussi me voir, parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais, il habite de collaborer avec lui. Mm-hmm. Et quand il était directeur de cabinet du ministre Salomon, moi j'ai dit le tout, et que je ne suis pas capable de voter. Lorsque j'ai demandé de vote là, moi j'ai dit je ne suis pas capable de voter. Je vais voter contre. Moi j'ai dit même abstention que je ne suis pas capable de faire. Parce que faut que je vote contre. Et pour me voter contre, pour qui ça? Parce que moi estimé, et je me suis dit, président, ça, agissement, choix tactique, ou bien choix politique, ou bien stratégique que le fait à travers ce gouvernement, pas mener ni jouer un résultat que le doit jouer à moyen et long terme. Mais pas permettre que, qui pour moi-même fondamental pour l'opposition, et pour permettre que nous votions ensemble des bagailles, loi, budget, rapatrier, corps appui, budgétaire, et autres, etc. Et quand j'avais proposé au président ça, est-ce qu'on aime dire président ça, et milliers de ça, et Valérie? Moi, je dis président, permettre que au moins, nous pas perdu les 150 millions à fin d'année, pour nous capables d'essayer rapidement, voter loi électorale là pour conduire nos élections, et permettre que si on amende ma constitution qu'a fait pour le fait, femme député. Bien un tiers sénat qu'a parti. Après c'est seulement deux tiers sénat. Et n'a qu'après ça, n'a qu'après si ça président. Ou pas qu'on soit qu'a fait. Ou cas où même utilement en consultation avec les deux tiers du sénat et puis avec les autres forces vives de la nation, si on a encore pour qu'on joigne.
Et puis, ou purement simplement changer pour le ministre. Oui. Alors, ce n'est pas faire confiance, soit retirer en janvier ou bien en février. Mm-hmm. Bon, où dit on est tout ça? Même non, bien, Charles Pavlé, André. C'est chance, il parle pour Alain Béa même. Fait, ça avait dit qui ça? Ça avait dit que si je sens mauvais pour Jovenel, eh bien, je dois pouvoir au moins prendre le recul nécessaire. Ok. Là, nous entendons, sénateur Lambert. Voilà, d'accord. Sénateur Lambert, où sont, oui. sont déçus qu'à parler. Et ou décider pour raison ça bon ou à traverser dans l'opposition en général on connaît que c'est même là, là avec monde qui fait converti les nouveaux repentis papa regardez yo pisé les parce que tout le monde yo gata konn bible là presque pas qu'un et est-ce que ou pas craindre pour que même au niveau de l'opposition même lorsque ouvre braio pour recevoir tout le monde qui anti Jovenel qui anti établissement ça qui anti régime là. Est-ce qu'on va craindre que capable gagner un petit suspicion vous dit c'est parce que intérêt Lambert lésé on y a le traverser là automatiquement yo une formule pour quand même permettre que le sentir confortable. Regardez, c'est bon babay Nicolas, il n'a juste garder pas Lambert ou pas craindre pour que un discours comme ça qui véhiculer autour de vous au niveau de l'opposition. Écoutez. Je rejoins l'opposition. Moi, je fais une opposition et je décide de faire une opposition éclairée, une opposition positive et une opposition, je dirais même une opposition constructive. Mais pas rejoindre. Palais.com. Nous n'en sommes déclarés les Valérie Jodia bon, en bon catastrophe et le pire gain pour arriver. Sur le, plan certains... sur le plan politique ou mais économique? Ah oui, sur le plan sociopolitique, financier et économique. Ok. Je vais vous dire, certaines actions, si on te posé, certains conseils, si on te suive, tu es capable d'éviter nous des dégringolade. Et dégringolade ça même. Plusieurs motifs commandaient solidarité moi, avec le président Jovenel à un certain moment. Mais toujours comprendre que il y a un danger grave pour nous livrer à Haïti. Non, président qui manque d'expérience, l'État, plus particulièrement. Institution tellement faible, je prends la décision moi-même pour me encadrer et ceci me fait. Mais en même temps, par encadrer, même pour une responsabilité, pas tout, comme élu sénateur. Pour des questions qui relevaient d'ordre social, stupide aussi. Conscience, moi, comme, pas admettre un échantillon de classe paysanne exposé. Comme ça. On devrait là, beaucoup d'hôtel pour me limiter des gars. Et Valérie, raison principale là, est que nous devons utile à pays. Et nous devons choisir. Même jusqu'au dernier moment, Valérie, j'ai même voulu, malgré mes amis politiques, sacrifier cette forte portion de mon mandat de sénateur pour primature. Moi, c'est quoi qu'un gouvernement, un vrai gouvernement, était encore capable d'épargner pays à de ça que me déclarer m'pense suffisamment épilogué sénateur me comprendre ça et pense que le public l'a édifié par rapport à ça bien que évidemment ou son homme politique sous quitter job sénateur ou traverser dans primature assurément gen moun k ap wèl en face son paio qui
capable d'accord comprendre motivation pour et penser que son droit qu'on gagne comme politicien. Maintenant, par rapport à tout ça que n'a regardé là, yo, on dit question sur Jovenel Moïse lui-même. Là nous on nous compte que en pile fois il dit président gon mieux face à oui là chef là. Et puis président il a envie accélérer puis red dans devant mieux. Quand il a l'œil frappé dans mieux et puis il relait des monde dit mon chat dans une de me retirer machine là qui frappé dans mieux là. Il y a des monde qui doit aller. Mais il y a des monde qui doit dire chef là non, de tellement du là gon mieux face à vous choisi pas toi ça mon frère désolé. Qui pigo défaut penser que Jovenel Moïse gagne qui fait que il pas gagne étoffe de chef d'état. Il pas gagne confiance. D'après moi, même dans tête, il n'a pas confiance. Donc, Jovenel pas quoi dans Moïse? Non. Après. Ok. Parce que, moi, je ne vais pas demander au monde de moi. Mais il faut que le monde croie dans l'acte que je pose. Oui. Et deuxième, l'autre, je te dis que, littéralement, des mondes sud-est, notamment, et excuse, sinon pardon, parce qu'il t'a encouragé à voter Jovenel Moïse. Est-ce que c'est même cas pour Joseph Lambert? Bon, pas quoi ça. Pas même utiliser même figure de style ça. Mais cependant moi-même personnellement moi en renoncer de bagarre et prendre des engagements président lui-même t'a demandé pour me prendre et qui je dis moi paraître nous commencer paraître honte dans jeu population. Par exemple président j'ai dit m'a mettre un gravel balance pour me faire route Marie Goubert, lorsque tu as sa pique, passé par Fouet de Pain. Il te dit, moi, que, n'a pas fait route la montagne. Et au songe, une vote que moi, m'a fait, c'est toujours pour faire route avec courant électrique pour Jacmel. Jacmel, toujours un problème. Même 3 kilowatts, même moteur 3 kilowatts, là, pour que j'aime jusqu'à présent en fonction. Et même route pour mener la montagne, là. Jusqu'à présent, on t'a qu'à dire, moi, je coupe, il y a un médecin qui pousse sur le cap d'un. Je ne veux dire, il y a une frustration. Et il y a une frustration qui est liée à la pression en bas que nous avons, pendant que toute population continue à supporter le président Jovenel avec les noms. Et jusqu'au moment où on a parlé, le président est en mesure de se ressaisir. Son président dépouillé de vie. Comme des cas du pied, réflexe que le gagne, réflexe comme quoi, tant qu'on collègue dit moi, président dit moi, lorsque Lambert a vini comme premier ministre de l'entité, il semblait lui ouais, son tremblement de terre 9.0 mélangé avec un cyclone, inondation. Et ça, on va être privé sur lui. Et c'est une façon pour me voir raison, ma réflexion côté et analyse que tu as fait tout à l'heure. Alors, il faut que le président dépouille de ça. Je veux dire, la réalité est que le président Jovenel comprend qu'il y a des signaux clairs qui n'ont pas été. Le président Jovenel a tout intérêt à trouver cet accord minimal pour être capable de mettre en place un vrai gouvernement de consensus. Et faire en sorte que loi électorale votée, budget voté, retourne le pays sur chemin stabilité. Parce que. Est-ce que c'est toujours possible pour Jovenel Moïse? Est-ce que vous pensez que M. Gain pointe ça jusqu'à jeudi? Puisque on a parlé de méfiance, par rapport à méfiance qui gagne au sein de l'opposition vis-à-vis du président Jovenel Moïse, par rapport à méfiance de la société civile, etc., ou pensez qu'il s'arrêtait comme coup de franche? Je ne crois pas que le rétablissement pile bagaille lui-même pour le conduire en dialogue, parce que son image est grignotée. Personne ne va faire Jovenel véritablement confiance dans un quelconque échange que tu es capable de gagner ensemble avec lui. Parce que ça qui arrive là, je ne veux dire, faut que nous arrivions à réconcilier la République là avec principe et faut que nous encourageons la démocratie. Et si nous arrivons à un nouvel ordre social, à bien un sens la caille nous, investissement à prendre place dans la culture nous, richesse qui est capable de créer, la permettre de générer job, jeunes à bien accès à l'entrepreneuriat, une nouvelle école avec un projet
à long terme, femme yo a capable continuer épanoui yo dans équité que a vivio. Et paysan yo capable ouvrir tout à de nouvelles, ça me déclare les ruralités. Mm-hmm. Ce sera alors un seul pays, un seul pour nous, Haïtiens. Ok. Maintenant, et c'est vrai que et je dis qu'il y a un premier ministre, bon, évidemment, qui AI, qui c'est et Pierre-Michel Lapin. Maintenant, ou gagne Fritz Millial, William Michel qui nommé, qui avenir Fritz William Michel d'après vous-même? Je ne connais pas qu'il démarche, qu'il fait jusqu'à date. Même si c'est l'on promet. Bon, évidemment, qui AI, qui c'est et Pierre-Michel Lapin. Maintenant, ou gagne Fritz Millial, William Michel qui nommé, qui avenir Fritz William Michel d'après vous-même? Je ne sais pas qu'il démarche, qu'il fait jusqu'à date. Nous, Haïtiens. Ok. Maintenant, et c'est vrai que et je dis qu'il y a un premier ministre, bon, évidemment, qui AI, qui c'est et Pierre-Michel Lapin. Maintenant, ou gagne Fritz Millial, William Michel qui nommé, qui avenir Fritz William Michel d'après vous-même? Je ne sais pas qu'il démarche, qu'il fait jusqu'à date. Même si c'est l'on promet. Je ne sais pas qu'il démarche, qu'il fait jusqu'à date. Même si c'est l'on promet. Je fais l'on promet. Maintenant, et nous déjà comprenons ça, mais est-ce que quelque part, pendant la garantie, on va faire campagne contre Fritz William Michel, là, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent tout suivre dans Bertou? Ah, certainement. Ok. Quand même. Ok. Qu'on y a pas de problème. Mais même, pas encourager au suivre moi. Ok, d'accord. Mais on même ses choix personnels pour. D'accord. Mais maintenant, c'est à Lambert, bon, on va avec vous. Jovenel Moïse, et nous offrit peuple là, et nous vend peuple là. Maintenant, il y a des gens qui disent, c'est pas peuple là qui t'es voté, c'est blanc qui impose. Bref, en tout cas, Jovenel Moïse, président de la République. Moi, j'entendais des gens qui étaient dans. Et c'est combat national qu'on a. Pas PHTK. PHTK choisi Jovenel Moïse. Je ne veux dire. Parce que là, moi-même, je sorti l'aide, et comme quoi, je suis demandé, je suis nécapement des jobs, et puis le président m'a craché dessus à deux reprises sans me prévenir. Après yo qui boit le mener pays à tout droit de carreau et ça pas bien longtemps Valérie ou dit Lambert te dit ça si je... c'est pas moi seulement moi dis moi même parce que j'ai une opportunité dans la radio vous me dites mais certainement il y a plusieurs monde qui dit là vous me dites là qui pas pour... ouais résultat pas pour demain qui j'en pour matérialiser contribution à opposition en face Jovenel Moïse qui j'en monde pour ouais opposition ça va l'exprimer pas plan là où il y a non voulez pas faut aller qui vient l'habiller Tadinho.
gagne un bagage qui n'est pas bon pratique personnellement pour marcher, faire manifestation et son opposition constructive, son opposition éclairée et son opposition et qui doit manifester très, très sérieusement à travers un ensemble d'actions. Action, que ce soit au niveau du Parlement, action au niveau de comme des cadeaux à travers la presse, à travers des écrits, à travers des prises de position et à travers toute forme de lutte que m'estimait qui pas mettait la vie moun, ni institution moun. Est-ce qu'il y a pour trouver Joseph Lambert dans la rue, dans la grande manifestation qu'a faite contre Jovenel Moïse? Moi-même, honnêtement, je ne crois pas que je suis capable moi-même d'aller dans la rue parce qu'elle n'est pas en pratique. Pas. Mais si le besoin se fait sentir pour pousser le, par exemple, Mat de Magaï, ou bien dans la rue demain matin, même donc, pour compte moi avec un pancarte tout tête, moi, dans la rue demain matin, si président Jovenel choisit pour que lui attaque lui, à l'institution parlementaire, au mandat des élus. Ah, m'a dit un truc bagaille. Ce sera la guerre des mots, la guerre de comportement, la guerre de l'attitude, et la guerre de parole et autres, etc. Parce que jamais on ne va se laisser faire, et jamais le mandat des élus, de quelque bord que je suis capable de venir, eh bien, moi, m'a défendu du bec et des autres. Est-ce que frère Sab sort en bouchou, faut que Jovenel Moïse quitte le pouvoir avant mandat le fini? Vous dites? Est-ce que frère Sab sort en bouchou, faut que Jovenel Moïse quitte le pouvoir avant mandat le fini? Non, depuis président. Non, moi-même personnellement, je ne peux pas demander Jovenel Moïse pour quitter le pouvoir, non, avant mandat le fini. Parce que, rôle que j'ai besoin de jouer, c'était un rôle, comme tu as dit, temporisateur. Pour le permettre que nous réconcilier les partis en prison. Faire en sorte qu'il y ait une forme de cohabitation positive qui pour permettre que nous allions vers les élections et puis pour que le peuple a choisi nouveaux dirigeants dans le calme, la sérénité, en tenant compte de tout un ensemble de paramètres. Je vous dis, moi estime que le principe de mandat son bagage pour nous toujours respecter. Parce que moi-même, je défends le mandat PAM, il y a aussi vrai tout que faut que le mandat ait un sens. Tant que je ne le dis au Parlement haïtien, je dis, monsieur, nous avons un mandat, mais il faut que le mandat ait un sens qui dans la population. Il en est de même pour le président. S'il a un mandat, il faut que le mandat ait un sens. Et c'est ça que En termes de résultats, on va parler. En termes de résultats. Et c'est ça que fait, moi, je dis que il est encore temps pour Jovenel Moïse de se ressaisir et de comprendre la nécessité historique qu'il y a aujourd'hui de faciliter via un gouvernement crédible de transition un bon dialogue national, qui pour permettre que nous gagnions un accord et c'est seul un accord capable de mettre en partie. Et en grande partie, fait à gros bataille. Ok. Est-ce que on connaît politique, c'est timing, politique, c'est momentum, c'est entre Joseph Lambert. Et on nous dit, par exemple, Fritz William Michel, ma pon cas de figure, côté que le pas passé en bas. Et puis qu'on y a la force des choses, fait que l'opposition modérée, l'opposition radicale, je dis, je pensais que au monde qui est capable de permettre que nous arrondir les angles, aplanir le terrain, etc., c'est à Joseph Lambert. Même le sénateur Lambert pas accepté job la lame Jovenel Moïse, est-ce que si gagné un consensus qui joigne autour de non Lambert, l'a pas accepté vin occuper fonction premier ministre? Bon, là, Valérie, c'est autre chose. Je ne serai pas le premier ministre choisi par Jovenel Moïse. Je serai le premier ministre d'un large consensus national imposé au président de la République et qui sera bien sûr nommé par le président de la République parce que c'est lui-même qui vous pose acte là. Vous êtes qui ça parce que, tant comme je vous disais à Valérie,
Si le président m'appelle demain matin pour me dire « Ah, Joe, bah, elle a compliqué pour nous là, bon, mon cher, faut que t'as, ouais, qui j'ai essayé de joindre l'aide debout, et faut que t'as retourné comme premier ministre là pour nous. » Je ne peux pas. Parce que, ou pas faire confiance. Je suis capable, premier ministre, un président qui ferme confiance. Mais si c'est la force des choses, le consensus national qui allait autour de Lambert pour diriger un gouvernement avec une feuille de route, un mandat précis et autre, etc., je suis prêt à sacrifier, à consentir ce sacrifice pour mon pays au détriment de mon mandat de 3 ans et demi, 4 ans de sénateur de la République. Ok, d'accord, porte pas fermée. Alors, maintenant, l'un nous reprochait, par exemple, Jovenel Moïse de ne pas avoir résultat, ou même, par exemple, où était proche Michel Martelly, et où dit le tout, ou confirmer que où était proche Michel Martelly. Mais maintenant, m'a suivre que, en vérité, faut que nous baillons population à tout, sénateur Lambert, m'a quoi dans franchise ou dans parler où. Jovenel Moïse, qu'on a fait un gouvernement, il pas en mesure même mettre 3 ministres sous 18 là, parce que opposition balle en quantité, l'homme dit opposition, on va parler de monde qui faut filer des noms, parlement balle des noms, l'équipe de Michel Martelly, PHTK, imposer une quantité de portefeuille ministériel plus des directions générales et non des moindres. Ça veut dire que comment Michel Martelly, je dis, a fait pour aller en opposition, par exemple, avec Jovenel Moïse, le que Michel Martelly est plus fort gouvernement là même. Expliquez-moi ça. Bon, mais ma bien bagaille, ma réponse à l'envers, j'allais. Au niveau de l'article 158 et suivant de la Constitution, il dit que le Premier ministre, en accord avec le président, qui choisit les membres de son cabinet ministériel. Mais c'est pas le président qui peut entrer après le cabinet. Martelly, je dis à café. Pour aller en opposition, par exemple, avec Jovenel Moïse, le que Michel Martelly est plus fort gouvernement là même. Expliquez-moi ça. Bon, mais ma bien bagaille, ma réponse à l'envers, allez. Au niveau de l'article 158 et suivant de la Constitution, il dit que le Premier ministre, en accord avec le président, qui choisit les membres de son cabinet ministériel. Mais c'est pas le président qui peut entrer après le cabinet, il faut qu'il permette que. Premier les membres de son cabinet ministériel. Mais c'est pas le président qui peut entrer après cabinet, il faut qu'il permette que premier ministre joue son rôle de fusible. Parce que un premier ministre, comme tout premier ministre ou bien gouvernement, il n'a que l'expression politique d'un moment. C'est pour quitter le premier ministre à le mouler et puis ou même ou venir comme monde qui a temporisé, monde qui a metté au lac. Ou qu'est-ce qu'il y a pas avant ça qu'on premier ministre tombe, ou bien premier ministre pas qu'à passer, et puis c'est ou même encore qui souffre de ça. Ou mais, sénateur Lambert, retournez avec question maintenant. Comprenne. Et, il y a des redevances que Jovenel Moïse gagne envers Michel Martelly, par exemple. Moun ka comprenne ni, c'est certain. Mais, le président, pas même en mesure qu'à mettre 2-3 ministres. Comprenez bien, parce que, quand même, pour former le gouvernement, c'est pour le ministre là avec le président, quand même. Mais maintenant, le plus fort ministre, c'est sous coupe réglée Michel Martelly et tout. Et puis, qu'on y a, s'il pas capable de résultat. Donc, Martelly pas capable d'assumer l'échec là tout, non? Parce que lui impose tellement de monde, et qui plie à imposer tellement de monde en espace pour voir, ou pas capable pour que c'est les bail là bon consomme d'ado nous prendre et puis l'échec là et puis nous juste dit nous parlons échec là comment nous t'a fait parler échec là si nous accepter prendre plus fort espace pouvoir m'a dit bagaille moi Valérie un Lambert premier ministre m'a appelé cabinet avec ma président et puis m'a dit avant faire cabinet avec président quels sont les portefeuilles ministériels que vous même moi intéressé à lui et puis les premier ministre fait job lui et là ça comme il y a là PHTK en tant que parti, la mobiliser pour plier dans le Parlement, pour faire faire échec à Premier ministre. Et parce que nous refusons d'institutionnaliser la vie politique dans le pays, un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, nous fait de lui un régime totalement présidentiel, celui qui fait tout. Résultat, tout va arriver sur tout. Tout va arriver sur tout.
Est-ce qu'on prend recul là et on aller dans la logique de la séparation des pouvoirs? Où le pouvoir peut arrêter un pouvoir, Montesquieu. Là, ça a couru là, tout est qui ça fonctionne bien. Est-ce que vous-même, déjà, le fait que vous êtes pressenti pour le Premier ministre ou vous êtes en montée cabinet? Moi-même, je suis en tête, vers qui est-ce que vous allez, vers qui monde, qui profile et autre, etc. pour faire cabinet. Comme Dieu, ça clairement. Ok. Non, mais il n'y a pas de cacher l'ombre. Et donc, on a dit, Mais maintenant, parce que chaque l'homme fait incursion sur ma télé, moi, pas rentrer avec, moi, pas rentrer là-dedans. Bon, fais une dernière fois. L'autre jour, dans le gouvernement qui parle de monter, il était clair que quatre sénateurs de l'opposition, ils étaient clairs sur ce principe-là. Bon, monsieur Kele, Oudi Ali, il n'est pas retourné comme ministre de justice. Mais Oudi Ali a été imposé par l'équipe de Martelly. Donc, toute frappe que Jovenel Moïse vient prendre par rapport à ça, quelque part, l'encaissé, mais l'équipe de Martelly cause que le prend frappe. Comprenez bien ça, m'dou là. Donc, c'est pour ça, m'dou que l'échec de Jovenel Moïse, il est supposé partager avec l'équipe de Martelly. L'équipe de Martelly pas qu'à vendre virginité dans l'échec de Jovenel Moïse. Parce qu'il est impliqué en pile dans le pouvoir, il contrôle une quantité de direction générale. En pile redevance, ce n'est pas envers Jovenel Moïse Mouniogéel, c'est envers Michel Martelly. En pile ministre, c'est Michel Martelly. C'est lui écouter, c'est lui attendre. Donc, comment Michel Martelly a vendu moins comme Sim Dadou, l'innocent dans l'échec de Jovenel Moïse? Maman, je m'en vais, Valérie. Première demande proposition à TFL, c'était qui ça? Première demande que le TFL, c'était retirer, éviter que le Premier ministre Ali vienne en bas comme ministre de justice. Mais, au monde qui vient faire voir en politique et qui ont vécu politique, faut connaître qu'à chaque fois, Maman Jomara et Valérie, première demande proposition à TFL, c'était qui ça? Première demande que le TFL, c'était retirer. Éviter que le Premier ministre Ali vienne en bas comme ministre de justice. Mais, au monde qui vient faire voir en politique et qui ont vécu politique, il faut connaître qu'à chaque fois qu'on en face en opposition, l'on demande aux chefs pour ici abordable, il doit demander au couvert à pile en politique et qui ont vécu politique. Il faut connaître qu'à chaque fois qu'on en face en opposition, l'allemand au chef pour ici à bord table là, l'allemand au couvert à pile. Je crois que c'est exigeant. Puis, le ministre de la Justice, son ministre PHTK, c'est pas que je dis honnêtement tout. Ça, c'est ma bonne information, Valérie. Allô, Valérie? Allez-y. Oui, ma bonne information. Est-ce que tu sais que olapalais.com Je pense que c'est exigeant. Puis, le ministre de la Justice, son ministre PHTK, c'est pas que je dis honnêtement tout. Ça, c'est ma bonne information, Valérie. Allô, Valérie? Allez-y. Oui, ma bonne information. Est-ce que tu sais que tu as cherché le calme, la sérénité, la stabilité? Parce que, pardon, quel gouvernement a réussi dans l'instabilité? On sait. Alors, quel gouvernement a réussi dans l'instabilité? Et c'est ça quoi, ouais. Sous ma télé, en tant que
chercher le calme, la sérénité, la stabilité. Parce que, pardon, quel gouvernement a réussi dans l'instabilité? On sait. Alors, quel gouvernement a réussi dans l'instabilité? Et c'est ça quoi, ouais. Tout m'a dit, en tant que qu'on cherche le calme, la sérénité, la stabilité. Parce que, pardon, quel gouvernement a réussi dans l'instabilité? On sait. Alors, quel pouvoir a réussi dans l'instabilité? Et c'est ça quoi, ouais. Tout m'a dit, en tant que qu'on prends comme ça, investir ailleurs. Parce qu'on a obligé de faire tout le temps, et m'a garanti le jour pas mettre comme là, parce que j'ai mis dans l'arrière. Alors, président, on dit président, s'il vous plaît, pour vous, en conseil, comme vous rapportez New York aux Nations Unies, eh bien, on a mobilisé tout le monde pour venir accueillir au airport. Et puis, deux airports de temps, on a fait un coup de poker, on a marché à pied, il est juste en palais national. Après, ça passe en rien encore, président. Et c'est une question de stratégie. Bon, c'est quand même en deuxième temps, il faut que changer, il faut que porter un amendement à la Constitution et faire en sorte que le Parlement pas gagné autant d'autorité que le gagné, je ne veux dire, parce que le Parlement aussi en tant qu'institution contribuer tout dans fragiliser. Et vie politique à ton pays. Ok. Mais moi, deux dernières questions pour me finir, sénateur Lambert. Est-ce que quelque part, et le nous jouer carte de l'opposition, hein, c'est pas une sorte de positionnement que lié. Dans le cas d'un consensus, par exemple, puisque Lambert est en opposition, à ce moment-là, il y a toujours choisi Lambert pour occuper n'importe qui fonction, et puis il dit son figure de l'opposition. Est-ce que c'est pas un calcul politique comme ça qui fait? Bon, mais Marc s'est dit, si on pense comme ça, il n'y a pas besoin de venir vers moi du tout. Ok. En lien à l'élu, je ne suis pas un demandeur de job. J'ai un mandat de sénateur qui arrive à expiration en janvier 2023. Et personne n'a pas qu'à moyen mandat ça. Personne n'a pas qu'à moyen. Ok. Maintenant. Alors, parlez de qui ça? Si je vous le redis, nous sommes sénateurs de la République. Si mon mandat de sénateur, si je choisis pour m'aller faire 3 mois de premier ministre et autres, etc., pour m'être considéré, Valérie, en pile monde, et même certains, et en pile dans le débat que je fais avec base. Palais.com. Il y a un peu de monde captant de là qui grandit monde. Yo connaît que ou pas d'accord avec un bœuf ou cabrit. Sincèrement, Valérie. Et si Valérie, un peu de monde pense du contraire, m'a dit président, soyez fort. Allez dans ce sens que là. Cherchez un profil qui semble avoir un profil. Depuis que Petro-Caribé est venu qu'il y a un dossier national, personne ne peut pas freiner et comme des cadeaux pour ce Petro-Caribé. Et quel que soit le monde qui pense qu'il a échappé à pour ce Petro-Caribé, eh bien, détrompez-vous parce que le procès aura lieu tôt ou tard et dans quelles que soient les conditions. Et casser ces Petro-Caribé, personne ne va pas casser ces Petro-Caribé. Parce que Petro-Caribé est dossier peuple là et tout le monde a besoin qu'on ait ça qui est passé dans la question Petro-Caribé. Moi-même, tout, j'ai besoin qu'on ait. Et c'est ça qui fait que j'étais suffisamment intelligent, j'étais suffisamment avisé, malgré les critiques, pour me dire que Petro-Caribé n'a pas qu'à traiter politiquement au niveau du Sénat de la République, mais il faut que nous voyons lui au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pour que les traités. Et résultat, les gens commencent à joindre, mais l'histoire, ou bien certains, les gens de mauvaise foi, eh bien, ils ont toujours dit, ah non, il n'y a pas occupé, il a devancé Lambert, etc. Bon, peu importe, je n'ai pas besoin de gagner un laurier pour ça, c'est le bagage que j'ai besoin de faire en sorte que le dossier a traité techniquement. Deuxième bagage, c'est, deuxième dossier, c'est qui ça? M'a parlé de mise en accusation du président de la République. Mais la mise en accusation du président de la République.
Mais président Jovenel, ou bien conseiller l'attendez là, enregistrez ça, vous voyez le bali. Nous t'ai dit, président Jovenel, ouais, monsieur, vous venez avec une question de mise en accusation. Président, faut couper politique. Vous venez avec mise en accusation, son droit constitutionnel que sénateur ou bien député ou bien préfet mise en accusation. Et là, faire mise en accusation, vous venez pour aller devant la haute cour de justice et c'est le Sénat qui va l'ériger dans la haute cour de justice. Si les faits que avancent, pratiquement la République saura que il y a une attitude pour ensemble des luttes qui est incorrecte. Mais je dis, l'opposition n'a pas gagné 80 députés qui pour voter pour mettre en accusation. Faire en sorte que intervenu beaucoup le président Garibodo, demander de mettre mise en accusation dans la prochaine séance qui va venir pour que nous évacuer dossier ça parce que nous allons tourner on épine dans le pied. Nous allons tourner un petit clou diaguite en dessous de nous. Ça veut dire que ça. Même avant-hier, là, pour la tenue de la séance en Assemblée nationale, ils ont fini un accord ensemble avec la majorité et puis ils ont refusé de sortir pour faire coup de bas. Moi, je dis, monsieur, à quoi ça sert? Et durant la séance, j'ai parlé au président et j'ai dit au président, mon cher mandé, monsieur, puis aussi un bail ça pour permettre que vous mettez mise en dessous de nous. Ça veut dire que ça. Même avant-hier, là, pour la tenue de la séance en Assemblée nationale, ils ont fini un accord ensemble avec la majorité et puis ils ont refusé de sortir pour faire coup de bas. Moi, je dis, monsieur, à quoi ça sert? Et durant la séance, j'ai parlé au président et j'ai dit au président, mon cher mandé, monsieur, puis aussi un bail ça pour permettre que vous mettez mise en accusation dans la première séance là, et puis pour que la question ça allait vider une fois pour toutes. Autant qu'on dossier litigieux, quoi, qu'il j'ai parlé au président et j'ai dit au président, mon cher mandé, monsieur, puis aussi un bail ça pour permettre que vous mettez mise en accusation dans la première séance là, et puis pour que la question ça allait vider une fois pour toutes. Autant qu'on dossier litigieux, toute équipe, toute page sur Facebook ou tout média qui relaye émission ça, sans que nous pas au courant, mais grand pile monde qui permet que nous tendez et nous suivre émission ça matin. Merci un peu tout le monde. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Plus près de nous, c'est cet après-midi. Vision 2000 à l'écoute. Valérie Numa vous a servi à l'entrée. Obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mette sous marché à, qui fait l'argent fait petit. Dépogé pour pipiti 50 000 goud, ou qui mette dans obligation BRH, qui rapporte 7% intérêt chaque année. Olapalais.com.